C'est très très bien, très 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 bien, bravo. Voilà, magnifique, magnifique. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire. On peut encore un peu plus parfois exagérer les nuances, par exemple dans les trucs qui vont vite là, des petits accords, tout ça, de la première page là, tout ça, tous ces passages là. Hein. Mais par exemple le début, c'est tam tagadi doulou. C'est comme je vais vous raconter une histoire, ça veut dire. Et puis on danse, pop, 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 et puis là ça commence. Au fond, la pièce commence ici, hein. Elle commence là. Mais ça, c'est un peu fort, ça. Vous faire ça, c'est un peu. Ça part, là. Si vous faites. Est-ce que peut-être que j'ai mis un accent. J'ai mis un accent. Oui. Faites rien que le début. Enfin, donc, commencez un peu plus fort le début pour pouvoir mieux diminuer. Hein. Maintenant, ça danse après. Et puis, tout. Oui, c'est beaucoup mieux. Encore, on peut encore faire mieux. Le début, sentir que le début, c'est tim de glum, pom, pom, pom. Comme si ça. Pas faire tim de glum. Ça part comme ça, comme si l'histoire. Comme, là, on raconte l'histoire. Hein. Encore une fois, c'est bien. Un peu plus la première note. Du sol dièse, ou... Non, le début. Très bien, bien, très très bien. Est-ce qu'il y a un autre qui veut me la jouer? La première, comme ça? Allez, qui ose? Bien, bien. J'ai le même problème. Oui. Voilà. J'ai le problème avec le début. C'est-à-dire, vous faites, il ne faut pas faire si la solfare. Ça veut dire si la solfare. C'est une seule phrase, c'est pas une note et puis le reste. Donc, je vais attaquer bien doucement le si avec un certain poids. Si, dou, dou, di, vous partez. Hein. Pensez à cette chose-là. Je vais vous raconter une belle histoire. Et puis on danse, tup, tup, tup.
Mais c'est parti. Encore une fois, rien que le début. Parler un peu plus, un tout petit peu de si. Si vous avez un peu plus de si bémol, on peut mieux diminuer. Oui. Pas forté, mais un peu plus posé. Tim dagadam. Voilà. Bien. Et aussi de suite. Ici, par exemple, la troisième mesure, hein, elle commence double piano, elle diminue encore. Hein. Encore une fois le tout. Encore une fois le tout. Une chose que j'avais vue tout à l'heure, ici, dans ce trait ici grave, ici, hein, oui. Il faut quand même, tu ne diminues presque pas. C'est-à-dire, ça diminue, il faut diminuer plus vite. C'est la main gauche, oui. Hein, tu restes fort là. Oui. Prends un petit peu avant, là, quelques mesures avant. Tu peux diminuer plus vite ici. Okay. Oui, ça reste fort pour moi. Oui. Évidemment, c'est à cause des pédales aussi. Encore une fois, la même chose. Bien, c'est bien, voilà. Bien, c'est très très bien, voilà. peut-être que en général les staccatos peuvent être un peu plus staccato comme ça. Oui. Jamais joué louré, hein. Jamais joué louré. Attends, je regarde un peu le début là. On refait une fois. Je vous dirai au fur et à mesure. Hein. Faites bien, vous commencez par exemple piano là, à un moment donné ici. Commencez bien piano pour être forté là. Mm-hmm. Si c'est un peu fort ici. Oui, voilà. Là, par exemple, ici, ça s'appelle plus sac à dos. C'est possible, ça, pour toi, ça. Oui. Là, la troisième pédale, évidemment. Il y a la troisième pédale. Remets la troisième pédale, peut-être qu'il faut remettre. Il faut remettre ici, nous on n'a pas la résonance. Encore une fois le début, c'est bien. C'est bien. Oui. C'est bien. Alors là, toute fin, on peut ralentir beaucoup plus. Peut-être un peu avant la fin, comme ça, quelques mesures avant, là, ici, quelque part, où vous voulez. Oui.
Ça, c'est beaucoup mieux. Alors ici c'est le triple piano. Tu es déjà fort là. Ah oui. Alors ça, c'est beaucoup mieux. Fais bien ici, sol, fa dièse. Il faut l'entendre comme une mélodie. Sol, fa, là, tout. Encore une fois là. Sol, fa. C'est très bien. Il y a un deuxième qui la joue? Allez, c'est bien. Bravo. Bien, c'est pas mal. C'est un peu. Vous avez tous travaillé ça avec vos professeurs déjà? Ou sans? Ils ont entendu déjà? Ils ont entendu, vous avez travaillé avec eux. C'est bien. Le tempo est un peu lent, oui. Tu sais. Mais c'est-à-dire, comme tu connais les notes, tu peux travailler un peu, essayer d'aller un peu plus vite. Hein, comme tu peux, un peu oui, plus je vite. Me suis rendu il n'y a pas, le tempo ne doit pas être tout à fait juste par rapport aux métronomes que je mets, c'est une suggestion plutôt. Hein. Mais c'est bien, donc, j'ai un peu les mêmes remarques que ton prédécesseur, mais ça va. On peut passer peut-être à la 3. La 3, combien font la 3 ? Thank you.
C'est bien. Très, très bien. Très, très bien. C'est difficile, hein? C'est difficile. Alors, je crois que, par exemple, le caractère général est bien. Par exemple, le début, ça devrait être plus intense. Comme une espèce de clavecin énorme. Hein? Comme un énorme clavecin. Il y a des petites choses, par exemple, ici, dans ce petit trait-là. C'est bien, mais il faut qu'il va jusque là. Tu fais une rupture, là. Oui, OK. Oui. C'est-à-dire, c'est la fin. L'aboutissement, c'est le dos. Hein. Oui. Encore une fois, un peu plus, le début, là. Pam, pia, la lame. Hein. Sans pédale, hein, vraiment neutre. Oui, vraiment, tout à fait neutre. Oui. Pam, pia, voilà. Ça, c'est bien. Ici. Bien, c'est pas mal. Je crois qu'il y a un problème, c'est-à-dire que c'est toujours un peu trop fort, souvent. C'est-à-dire que les fortes sont bien, oui. mais c'est-à-dire les pianos, les très pianos sont bien aussi. Mais entre les deux, c'est souvent, ça reste un peu trop fort toujours, un peu gros. Il faut souvent diminuer, je regarde un peu le début là. Oui, on joue un peu le début, je dirais au fur et à mesure. Oui, ça va. Oui. Tam 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 tagadam padam. T'as bien padam, hein? Oui, pas oui. Trop vite, pas faire tram, mais padam plutôt, hein? Oui. Padam, voilà. Ici, par exemple, quand tu fais ça, il faut aller de là, zoom. C'est comme si tu faisais une coupure là. Oui. Encore okay. Un peu. Ça, c'est mieux.
dans ce sens-là, tu dois travailler. Ça vient un peu plus les crescendo, les décrescendo. Hein? Mm-hmm. Pas seulement forte piano, aussi ce qu'il y a entre les deux. C'est ça. Mais c'est bien. Les notes, c'est bien. Ça va. Ça marche. Ça fait un peu de jazz, hein? Cette pièce-ci. C'est bien, bien. Peut-être que ici tu l'as très bien fait. Le début peut être papam, tatarum, papam, papagum. Avec le début, on va voir, je dirais au fur et à mesure. Hein. Voilà. Bien attaquer le fa là. Bien, c'est beaucoup mieux parce que tu as fait beaucoup plus papam, la triple croche à la dernière minute, hein, même plus courte qu'une triple, hein, comme la musique 18e française, c'est tatam, papam, hein, pas faire papam, mais tatam, tatam, c'est bien, bien.
bien, c'est beau, c'est beau. Je trouve que c'est un petit peu lent, tout petit peu, tout petit peu. Par exemple, le début, aussi, doit être fort, hein, mi, fa, sol, vraiment comme un cri, comme si tu étais en détresse. Il peut être, après, tu racontes ton histoire, pourquoi tu vas mal. Mi, fa, sol, sol, sol. Ça peut, rien que le début, comme ça, puis bam, bam. Commence fort, le premier, pam. Puis pam, 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 pam. Attends, attends maintenant, oui. Et là, tu fais ta, 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 ta. Et après, pam, pam. Pas trop long, les blanches maintenant. Ré, do. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut le tempo. Il faut mettre un petit. Il faut bien faire ici. Ça tire, je n'ai pas assez celui-là. C'est pas assez celui-là. Encore une fois, on prend ici le si, si, si. Très bien. Ça, c'est un bon tronc. Bien. Mais non, intense maintenant, hein. Très bien. Alors, c'est très bien. Par exemple, la fin, le mi, fa, sol, le ralentissement-là, c'est sur mi, fa, sol, 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 sol. Évidemment, j'ai dit un peu plus rapide. Tu peux, j'ai mis aussi libramento, donc c'est ton tempo qui compte, en fait. Hein, c'est toi qui décides. Mais je trouve que c'est un peu plus allant. Il faut donner l'impression qu'il y a quand même un tempo. Di, da, di, da, 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 di, da. Là, c'est bien. Et tu joues aussi la 6. Oui. C'est pas aussi. Eh bien, disons. Voilà. S'il y a des questions sur les autres pièces aussi qu'on a fait, il faut toujours pas oublier de me demander. Moi, je connais plus tellement bien ça parce que c'est vieux déjà. C'est un peu osé. Ici, il y a beaucoup de troisième pédale. Hein. Je peux arrêter tout de suite, parce qu'alors après, on jouera une fois le tout, hein, parfois j'arrête. Quand tu as ici, il y a la troisième mesure, il y a ta-di-da, et alors ta-di-da. C'est la même chose répétée un peu plus. Pour prendre le début, peut-être c'est mieux, plus facile avec le début. C'est moins, en fait, oui. Mettant moins, ça c'est bien.
Bien, très très bien. Ouais. En tout cas, tu seras admis pour aller en B1. Hein. C'est formidable. Alors ici, j'ai des petites choses comme ça, pas grand-chose que je voulais te dire. Par exemple, ici, tout ceci doit être beaucoup plus doux. Donc, c'est le dernier forte, c'est là, trois pièces, c'est vraiment tout, là aussi. Et ici, tu vas faire forte piano, tu vois. Dans le tri, tu arrêtes tout de suite, là. Prends un petit peu, la page peut-être, hein, avec la bémol, la page. Oui. Diminuer. Ça, c'est bien. Forte de tchadam maintenant. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ça peut encore plus, comme je dis. Ceci est très fort, ça aussi. C'est presque pas touché. Ne fais pas trop, un tout petit crescendo à peine. Hein. Prends plus la même chose. Hein. Mais c'est bien, hein. Ça sonne beaucoup mieux. Ici, bien prendre le dos, hein. Maintenant. Bien. Presque rien maintenant. C'est bien. Peut-être que tu as ici diminué. Il y a encore diminué, donc c'est presque plus rien. Ici, tu attaques trop fort. Hein? C'est mieux que déjà. Prends ici quelque part, juste un peu avant, deux, trois mesures avant. Ça. Là, c'est beaucoup mieux. Bien. Voilà. Très, très bien. Voilà. On a tout vu. On a tout vu. C'est bien. Thank you.
Bien. Très, très bien. Très, très bien. Formidable. Parce que tu n'as entendu pas les autres, pas du tout. C'est comme l'autre, le début, le tout début beaucoup plus intense. Comme un grand geste baroque un petit peu, un geste à la française. Rien que le début pour moi. Tagadam, faites tagadam, papam, pas faire plup, padam, peut-être un peu plus intense. Voilà, ça c'est très bien, très très bien comme ça. Et quand ça revient, il faut faire la même manière. Hein. Voilà, je suis très bien, très content d'avoir entendu toute la pièce comme ça. Des vieux souvenirs que j'ai un peu oubliés, c'est bien. Et surtout bien joué comme ça, voilà. On pourrait faire des concerts comme ça avec les 6 qui jouent, 5 qui jouent. Voilà, c'est bien, vraiment très bien. Bravo. Bravo. Et il y a une chose sur laquelle j'insiste, une chose que j'ai dit tantôt, c'est au niveau des nuances de dynamique, donc, hein, que dynamique est aussi important qu'une note. Hein. Quand on a commencé à écrire la musique Boulez dans les années fin 40, début 50, il dit que la musique était faite de 3 choses, les hauteurs, la longueur et la dynamique. Donc les 3 sont tous aussi importants l'un que l'autre. Et en général, nous, ce qu'on dit, ce qu'on compte, c'est d'abord les notes. Hein. Oui, les notes, mais comment est-ce qu'on les joue, quelle durée elles ont et comment est-ce qu'elles doivent sonner. Voilà. Ça, c'est, je crois que pour la musique d'aujourd'hui, c'est très important. Mais pour Beethoven aussi, quand il y en a, parce qu'il met des choses, Beethoven. Hein. Beethoven a mis des tempos aussi. À l'époque, c'est un des seuls qui mettait le tempo. Et en général, ils sont un peu trop rapides. Les symphonies, c'est un peu trop rapide, mais ça veut dire qu'il faut, jouer, je veux dire. Hein. Voilà. Merci en tout cas pour tout. Voilà, voilà.